merci. Il était une fois, le dollar valait autant que l'or. Les États-Unis et la plupart des autres pays frappèrent des pièces en or. L'argent papier était une promesse de paiement en or. Mais aujourd'hui, le dollar et la plupart des autres monnaies mondiales ne sont pas soutenus par l'or, mais par le crédit, du papier, soutenu par du papier. L'expérience de l'Allemagne au début des années 1920 est l'histoire d'horreur classique racontée par ceux qui plaident pour un retour à l'étalon or comme le meilleur moyen d'arrêter l'inflation et de stabiliser les économies. À mesure que les prix augmentaient, le gouvernement imprimait de plus en plus de monnaie et les prix s'envolaient à nouveau. Finalement, le mark allemand ne valait littéralement pas le papier sur lequel il était imprimé. Des liasses de billets étaient nécessaires pour acheter une miche de pain et un timbre coûtait des millions. Alors, mais quelle est la situation concernant la rareté? Pourquoi avons-nous même besoin de crypto-monnaies? Regardons donc l'argent quotidien que nous utilisons. Il y a le dollar américain, le yuan chinois, l'euro et le franc suisse. Et ce que je montre ici, ce sont des statistiques officielles du gouvernement concernant le montant de la monnaie en circulation. C'est M1 qui comprend la monnaie papier, la monnaie, ainsi que les comptes chèques et les comptes d'épargne. Donc, c'est de l'argent liquide et des choses qui agissent comme de l'argent liquide, le tout ensemble. Et chacun de ces graphiques montre, depuis octobre 2008, date à laquelle le livre blanc de Bitcoin a été publié, c'est l'échelle de gauche de chacun de ces quatre graphiques. Donc, c'est 2008 et ensuite, c'est la fin de 2019. Vous pouvez voir que l'offre monétaire a augmenté pour tout le monde, donc, en seulement 11 ans, l'offre monétaire du dollar américain a augmenté de 2,6 fois. En d'autres termes, les presses à imprimer de l'argent fonctionnent. À ce rythme, nous ne le remarquons pas vraiment, parce qu'à chaque année, les prix que nous voyons augmentent un peu, mais c'est comme la grenouille dans l'eau bouillante, n'est-ce pas? Ainsi, la grenouille ne comprend pas qu'elle est assise dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'elle soit cuite. C'est le genre de situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Le fait est que toutes les monnaies fiduciaires mondiales semblent actionner, les presses à imprimer, à un rythme inquiétant. Mais qu'est-ce qui compte comme victoire? Qu'est-ce qui est considéré comme étant sain et prudent avec la monnaie de votre pays? Eh bien, c'est d'inflationner légèrement, moins vite que les autres, n'est-ce pas? Nous avons donc toujours cette situation où, si vous zoomez par exemple pour le dollar américain, vous regardez sur une échelle de temps de 50 ans, vous voyez essentiellement une courbe de croissance exponentielle. C'est un problème auquel tous les épargnants sont confrontés. Quiconque possède des actifs à épargner est confronté à ce courant qui s'oppose à eux. Car ils sont constamment dilués par la nouvelle monnaie qui est créée. D'accord, 2008 est l'année où le livre blanc de Nakamoto est sorti, donc c'est le livre blanc de Bitcoin. Et la clé de cette idée, je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, bien que je suppose que tout le monde ici a un QI d'au moins 140. Donc cela ne vous prendrait pas longtemps, si vous ne l'avez pas déjà fait, de consulter ce document et de l'étudier. Mais je dirais que le prix Nobel d'économie ne peut pas être attribué à une personne anonyme, mais si Satoshi Nakamoto était une personne réelle, cela serait clairement une idée digne d'un prix Nobel en économie, où l'économie est en réalité l'étude de la rareté. Ce que fait le consensus Nakamoto, c'est qu'il synthétise une méthode pour créer une rareté numérique, sans avoir besoin d'une autorité centrale, pour maintenir cette rareté. Ainsi, dans toutes nos monnaies nationales, à la Banque centrale européenne, à la Réserve fédérale en Amérique, ce sont tous des organismes gouvernés centralement qui décident de la gestion de l'offre monétaire
Maintenant, la théorie macroéconomique est que l'offre monétaire s'étendra et se contractera pour correspondre à la production économique réelle de la société. Donc, en d'autres termes, si une société est vraiment productive et qu'elle produit beaucoup de choses, alors la société est justifiée d'inflation de l'offre monétaire parce qu'elle a été productive. Mais le problème est que les pays rencontrent des difficultés. Ils s'endettent, ils promettent des services aux gens qui sont trop chers et ensuite ils ne peuvent pas les payer. Ils s'endettent. Le problème est que la mauvaise gestion provoque un déséquilibre fragile entre la taille de l'offre monétaire et celle de l'économie sous-jacente. Alors, pourquoi est-il intéressant d'avoir une source de rareté qui ne nécessite pas qu'un comité central prenne des décisions comme pour cette monnaie? Cela offre aux gens la possibilité de se soustraire au système monétaire fiat. Cela met également une certaine pression sur les banques centrales fiat pour qu'elles fassent peut-être un meilleur travail. Peut-être aurons-nous moins de crises financières à l'avenir. Peut-être que nous n'aurons pas une autre crise financière de style 2009. D'accord. Donc, la façon dont le consensus Nakamoto fait cela, il y a trois manières. Donc, au niveau du compte, en d'autres termes, comment se fait-il que le Bitcoin d'une personne ne soit pas confondu avec le Bitcoin d'une autre personne? C'est que lorsqu'une personne s'inscrit pour un compte Bitcoin, pour ainsi dire, ce qu'elle fait réellement, c'est choisir un numéro. Elle choisit simplement un numéro dans un champ de 256 bits. Les gens ont vraiment du mal à imaginer de très grands nombres, mais nous parlons de choisir un nombre entre 0 et 10 à la puissance 77, donc 1 avec 77 zéros après, pour comprendre à quel point c'est grand. Imaginez le diamètre de la galaxie de la Voie lactée. Maintenant, imaginez des électrons alignés les uns à côté des autres, et j'utilise juste le rayon classique de l'électron. Ici, pour l'ensemble du diamètre de la Voie lactée, nous avons des électrons alignés, n'est-ce pas? Il s'avère que cela ne suffit pas. Vous devez prendre un de ces électrons et l'agrandir à la taille de la galaxie de la Voie lactée, puis faire passer un autre ensemble d'électrons, n'est-ce pas? C'est insuffisant. Vous devez prendre un de ces électrons, l'agrandir à la taille de cette salle, puis vous avez des bactéries alignées. C'est 10 à la puissance 77. C'est ainsi que l'espace des nombres aléatoires que vous choisissez est vaste. Et c'est pourquoi obtenir un compte Bitcoin ne nécessite pas de remplir un formulaire et de demander la permission pour un compte. Tu choisis simplement un numéro, n'est-ce pas? Tu choisis simplement un numéro, c'est ta clé privée et tu dois un peu la défendre. Car la connaissance de cette clé privée est ce qui est nécessaire pour dépenser le Bitcoin d'une personne. La rareté au niveau agrégé, c'est-à-dire comment savons-nous combien de Bitcoin il y a dans l'ensemble du système monétaire et comment savons-nous que cela ne va pas être corrompu? Eh bien, la rareté est imposée par un réseau ouvert de mineurs qui sont en réalité des comptables bavards et ils sont récompensés pour leur comportement conforme aux règles du consensus. Enfin, comment savons-nous qui a envoyé quoi à qui? Ce que le blockchain enregistre. Donc le blockchain est une série de blocs. Chaque bloc contient des transactions indiquant que cette personne a envoyé de l'argent à cette personne, qui a envoyé quoi à qui et combien, et chaque bloc est simplement un enregistrement de cela. Comment savons-nous que cela ne va pas se corrompre avec le temps? Parce que, comme nous le savons tous, il y a de la dégradation des données, n'est-ce pas? Il peut y avoir de la corruption, il pourrait y avoir quelque chose comme... Il y a des malversations concernant l'état de la base de données. La base de données est maintenue car chaque bloc contient un petit champ de données que le mineur peut modifier. Cela s'appelle le nonce et chaque mineur change aléatoirement le nonce afin que le hachage du bloc soit inférieur à un nombre appelé la difficulté. En général, lorsque nous parlons de fonction de hachage, nous ne nous soucions pas de la valeur réelle de la fonction de hachage.
Nous nous soucions simplement que le hachage corresponde à un autre hachage. Par exemple, si vous vérifiez l'intégrité d'un fichier, vous prendriez le hachage du fichier que vous avez téléchargé, le compareriez avec le hachage du fichier que vous recherchez et vous compareriez ces deux hachages. Dans ce cas, nous nous soucions en fait du nombre du hachage, comme à quel point ce nombre est petit ou grand, et la difficulté est un nombre qui doit être satisfait par chaque bloc. En d'autres termes, le hachage de chaque bloc doit être inférieur à la difficulté. Et c'est ainsi que, pour faire une analogie avec le monde réel, imaginez que vous avez un livre de comptes où chaque page du livre de comptes contient 10 minutes de transactions. Et vous voulez trouver un moyen de vous assurer que chaque page est vraiment rare d'une certaine manière. Une façon de faire cela serait de dire que la masse de chaque page de ce livre de comptabilité doit être un multiple pair de 1 million d'atomes, n'est-ce pas? Ainsi, chaque comptable va toucher le papier, le frotter, effacer de petits morceaux, car à ce niveau, vous retirez ou ajoutez des trillions et des trillions d'atomes. Donc, cela va être un nombre aléatoire que votre réponse, soit si votre page est, en fait, un multiple exact d'un million d'atomes, n'est-ce pas? Une fois que cela est trouvé, c'est une page très rare. C'est une page rare parce qu'elle a un multiple exact d'un million d'atomes. Et parce que maintenant, c'est une représentation numérique, vous pouvez la copier exactement, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous avez une chaîne de blocs. Chacun de ces blocs a cet attribut rare et la blockchain les relie tous ensemble. D'accord, donc la rareté dans Bitcoin et Monero. Ils ont tous deux une base de code originale. Il existe de nombreux projets dans la crypto-monnaie où Bitcoin a simplement été dérivé et modifié un peu. Ce n'est pas le cas de Monero. Il a été écrit à partir de zéro. Les courbes elliptiques sont différentes. Cela couvre techniquement. Bitcoin utilise la courbe elliptique SECP256K1, tandis que Monero utilise ED255519. À la fois Bitcoin et Monero, comme je l'ai mentionné précédemment, nécessitent une clé privée, car dépenser la crypto-monnaie exige que vous connaissiez un numéro, et c'est la clé privée. Cela est vrai pour Bitcoin et Monero. Là où nous commençons à différer, c'est que Monero a également ce qu'on appelle une clé de vue. La clé de vue est une autre clé privée qui est en fait une sorte de sous-ensemble de la clé de dépense. La clé de vue est ce qui est nécessaire pour déchiffrer les transactions sur la blockchain auxquelles vous êtes personnellement impliqué. Donc, si vous avez la clé de vue, vous pouvez voir dans quelle transaction vous avez été impliqué sur la blockchain. Tout le reste reste crypté. L'espace diffère. Bitcoin, c'est 1060. Monero, c'est 1076. Il y a donc plus d'adresses disponibles dans Monero, ce qui signifie que si vous vous inquiétez du problème d'anniversaire, le problème d'anniversaire est celui où, si vous avez un groupe de 30 personnes, les chances sont beaucoup plus élevées que vous ne le penseriez que deux personnes parmi ces 30 aient le même anniversaire. Donc, si vous étendez cela maintenant au problème, de choisir un nombre aléatoire et de l'appeler le vôtre pour un compte de crypto-monnaie, vous avez le même problème. Il n'y a aucune garantie que le nombre aléatoire que vous choisissez pour votre compte de crypto-monnaie ne sera pas ensuite choisi par moi, n'est-ce pas? C'est le problème des anniversaires, et donc le problème des anniversaires est moins préoccupant, plus il y a d'adresses. Ainsi, la décélération de l'émission est une autre différence entre Bitcoin et Monero. Dans Bitcoin, elle est progressive. Vous avez entendu parler du halving tous les 4 ans. Dans Bitcoin, le nombre de Bitcoin qui est récompensé aux mineurs pour avoir trouvé une page dans la blockchain est réduit de moitié. Ce qui signifie que, sur le calendrier de chaque mineur, il y a une date entourée en rouge où leurs revenus vont être réduits de moitié. Et cela introduit donc une sorte de drame inutile dans le minage. Dans Monero, nous évitons cela en ayant une émission continuellement décroissante. Maintenant, une autre différence réside dans le taux d'émission des pièces dans un avenir lointain. Dans Bitcoin, la récompense de blocs finit par devenir nulle et il prévoit d'utiliser les frais de transaction pour
compenser la différence. Dans Monero, nous avons une préoccupation. Nous voulons toujours être assurés que les mineurs auront des incitations à continuer de travailler pour le système. Ainsi, dans Monero, nous avons ce qu'on appelle l'émission de queue, qui s'élève à 0,6 Monero par bloc. Cela se poursuit indéfiniment, mais cet argent, en gros, cet argent futur, est utilisé pour payer les mineurs afin de continuer à fournir la sécurité du réseau. Alors, quel est le taux d'inflation dans un avenir lointain? Dans Bitcoin, on peut dire qu'il est exactement zéro. Dans Bitcoin, on aime dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin créés. Et c'est quelque chose de facile à comprendre pour les gens. Mais pourtant, dans Monero, nous avons une inflation linéaire constante, mais il n'est pas vraiment correct de dire que cela représente une offre infinie, comme cela est souvent dit, car si vous regardez le taux d'inflation dans Monero, il tend asymptotiquement vers zéro. Si vous regardez n'importe quelle théorie macroéconomique, la variable pertinente est le taux d'inflation. Personne ne se soucie vraiment du montant nominal des États-Unis. Les dollars augmentent de plusieurs trillions de dollars par an. C'est le pourcentage qui compte. Et dans Monero, ce pourcentage est déjà bas et il continuera à diminuer. Voici quelques courbes pour illustrer ce dont je parle. Ce sont des courbes d'émission de l'offre montrant combien de pièces de chaque type existent en fonction du temps. Vous pouvez voir que Monero a commencé plus tard ici et il a une émission de queue. Cette émission de queue est 7, pente linéaire constante. La raison de cette pente, encore une fois, est que les nouvelles pièces qui sont émises sont récompensées aux mineurs qui aident à sécuriser le réseau. Alors que dans Bitcoin, ils ont un problème imminent à résoudre, car leur émission de pièces approche de ce seuil de 21 millions. Cela va essentiellement tomber à zéro. Et il existe des documents qui ont proposé que la sécurité du réseau pourrait être en danger. À ce moment-là, que se passe-t-il si nous prenons la première dérivée de cette courbe? Nous examinons donc combien d'approvisionnements supplémentaires il y a cette année par rapport à l'année dernière. En d'autres termes, quel est le taux d'inflation? Voici ce que vous voyez. Je compare ici plusieurs actifs différents. Voici donc le taux d'inflation de l'or. Nous ne pensons généralement pas que l'or s'inflationne, mais bien sûr, il y a des mineurs. Ce sont de véritables mineurs physiques qui creusent dans le sol et remontent des morceaux d'or pour les ajouter à l'offre mondiale d'or en surface. Et donc, cela représente environ 1,5% par an d'inflation dans l'or. Donc, si vous considérez l'or comme de l'argent solide, alors ce taux d'inflation de 1,5% sera en quelque sorte comme une ligne dans le sable. Comme vous pouvez le voir, à la fois Bitcoin et Monero, cette ligne bleue pointillée montre où nous en sommes actuellement. Nous arrivons à un point très intéressant dans l'histoire des crypto-monnaies, car jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'émissions. Pour faire circuler ces pièces, les récompenses de blocs ont été relativement élevées. Mais nous entrons maintenant dans une nouvelle ère de rareté, si vous regardez cela à droite ici. En fait, le taux d'inflation de Monero sera inférieur à celui de Bitcoin pendant les 6 prochaines années, jusqu'en 2025. Ensuite, il y aura une période de 4 ans où ils seront à peu près équivalents. Et puis, à partir de 2029, le taux d'inflation de Bitcoin sera à nouveau inférieur à celui de Monero. Mais cela soulève encore une question. Comment ces mineurs vont-ils être payés pour être incités à soutenir le réseau? Puisque c'est une caractéristique cruciale du consensus de Nakamoto, théoriquement, tous les mineurs sont incités à être honnêtes et à ne pas essayer de manipuler le système par cupidité. Merci. D'accord, il existe une forme de rareté indésirable et c'est le matériel de minage. Et c'est quelque chose qui a été un grand problème pour le Monero. Dans le livre blanc du Bitcoin, Nakamoto a écrit un CPU, un vote, et cette idée est que la récompense qu'un mineur reçoit devrait être proportionnelle à son effort. Elle devrait être proportionnelle aux dépenses que le mineur a engagées dans le minage. En d'autres termes, il devrait idéalement y avoir une fonction linéaire entre les dépenses du mineur et la récompense du mineur. Malheureusement, les économies d'échelle dans la fabrication de silicium ont détruit cette relation linéaire. Donc, en d'autres termes,
Si vous avez environ 25 millions de dollars à dépenser pour une nouvelle installation de fabrication à Shenzhen, alors vous pouvez produire vos propres puces en silicium qui ne font rien d'autre que de réaliser la preuve de travail du Bitcoin, n'est-ce pas? Ce sont des ASIC. Et donc, ils sont sur le réseau Bitcoin depuis plusieurs années, maintenant, au point qu'à ce stade, le minage de Bitcoin est essentiellement un oligopole chinois. Et donc, cela soulève une préoccupation concernant la centralisation, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement un problème que ce soit la Chine qui détienne tout le minage. C'est vraiment plus un problème que ce soit une certaine région du monde qui contrôle essentiellement toute la puissance de hachage du Bitcoin dans le monde. Il y a d'autres nouvelles qui suscitent des inquiétudes. Par exemple, la guerre commerciale croissante entre la Chine et l'Ouest. Un article de presse a rapporté que le gouvernement chinois a récemment décrété que seuls des matériels informatiques chinois seront utilisés dans les bureaux gouvernementaux à partir de l'année prochaine. Il y a une date limite à laquelle tous les Dell et les entreprises américaines doivent être expulsés. Il pourrait bien se passer quelque chose de similaire pour les ASIC Bitcoin fabriqués en Chine. Nous tenons un peu pour acquis qu'il y a une libre circulation des biens dans le monde, mais que se passe-t-il si non seulement une partie du monde contrôle la fabrication de toute la puissance de hachage crypto, mais qu'elle est ensuite incapable même de l'exporter en raison d'une guerre commerciale? Donc, dans Monero, nous avons essayé de prendre cette question de décentralisation très au sérieux. Nous avons donc apporté quelques modifications à l'algorithme de preuve de travail pour soutenir le petit mineur. C'est-à-dire qu'au début du Bitcoin, il était possible pour une personne ordinaire exécutant le client Bitcoin sur son ordinateur d'avoir réellement une chance d'obtenir une récompense de minage. Ces jours sont révolus car maintenant, la puissance de hachage est dominée par ces énormes fermes d'ASIC. Il est donc désespéré pour un petit mineur d'essayer de miner du Bitcoin. Avec le Monero, nous essayons de changer cela. Ainsi, la preuve de travail a été modifiée plusieurs fois et maintenant, depuis le mois dernier. La preuve de travail dans Monero est désormais RandomX, qui utilise en fait toutes les capacités d'un CPU pour réaliser la preuve de travail. Il y a essentiellement un programme aléatoire qui s'exécute. Chaque cœur du processeur a besoin de 2 gigaoctets de RAM pour bien fonctionner. C'était donc une décision de conception prise pour rendre plus difficile le contrôle du réseau par des botnets. Parce que si votre ordinateur est infecté par un botnet et que 14 de vos 16 gigaoctets de RAM sont utilisés, vous allez probablement le remarquer. Il s'agissait donc d'une décision de conception délibérée dans RandomX d'utiliser une quantité élevée de RAM requise pour le traitement. Il existe une autre source de rareté qui n'est pas nécessairement souhaitable dans une blockchain et c'est l'accès à la couche 1. Ainsi, la limite d'un mégabloc de Bitcoin a entraîné un fork du projet. Il y avait essentiellement une guerre civile dans le Bitcoin sur la question de savoir s'il était acceptable de maintenir les blocs à cette limite d'un mégaoctet. Cela fait encore rage à ce jour. C'est toujours une guerre sainte. Et c'est quelque chose que le Monero a évité jusqu'à présent. Sa solution à cela est d'utiliser une taille de bloc adaptative dans laquelle la taille maximale d'un bloc Monero est flexible et peut s'étendre ou se rétrécir organiquement en fonction de la demande, avec bien sûr des dispositions pour empêcher que le système ne soit manipulé. Et il y a des recherches en cours pour réduire la taille des transactions. Des bulletproof ont été récemment intégrés, réduisant la taille des transactions par un facteur de 10, ce qui a entraîné une diminution des frais de transaction pour le Monero par un facteur de 10, car les frais de transaction sont basés sur la taille en kilooctets de la transaction. Ce bébé n'a qu'une seconde, ici, dans la salle d'accouchement de l'hôpital Mount Sinai à New York. Il vient de remporter son premier combat, le combat pour la vie. Ses parents ont permis à nos caméras de filmer sa naissance. Ses empreintes sont prises pour identification.
Il a encore moins d'une minute et c'est son premier enregistrement. Bon, procès a commencé. Lorsque ce bébé sera un jeune homme célébrant son 17e anniversaire, l'année sera 1984. Son 1984 sera-t-il le monde que George Orwell avait prévu? Un monde dépouillé de vie privée? Un monde surveillé par Big Brother? Ou cet enfant aura-t-il ce que Justice Brandeis, au tournant du siècle, a qualifié de notre droit inaliénable? Le droit de jouir de la vie? Le droit à la vie privée? Le Bitcoin est transparent, donc si vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, vous pourriez avoir l'impression que si vous avez du Bitcoin, vous êtes anonyme. C'est cet argent magique anonyme d'Internet dont vous avez peut-être entendu parler. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La presse populaire continue de promouvoir ce récit trompeur. Le Bitcoin est complètement transparent et si vous lisez le livre blanc du Bitcoin, tout y est. Il est spécifié que l'expéditeur, le destinataire et le montant envoyé sont enregistrés en texte clair et consignés dans la blockchain qui, grâce à toute cette preuve de travail qui la soutient, rappelle ce que je disais sur chaque transaction dans le bloc ayant un hachage qui en fait un ensemble de données très rares et uniques. C'est l'histoire des multiples d'un million d'atomes, n'est-ce pas? Donc, en gros, ces détails transparents sont écrits et gravés dans cette blockchain pour toujours. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. C'est totalement incompatible, par exemple, avec la loi européenne sur la vie privée, le RGPD, qui a ce droit à l'oubli, totalement inexistant dans le Bitcoin. Une fois qu'une transaction est enregistrée dans la blockchain Bitcoin, elle y reste pour toujours. Et la seule chose qui n'est pas totalement transparente, c'est que l'adresse Bitcoin n'est qu'une chaîne hexadécimale, n'est-ce pas? Ou c'est une chaîne, je veux dire. En fin de compte, tout est une chaîne hexadécimale. Mais l'adresse Bitcoin est une séquence de lettres et de chiffres qui semble anonyme. Mais une fois que cela est associé à votre nom, et à votre visage, cette association, ces métadonnées, ce mariage entre un numéro de compte Bitcoin et votre identité, cela ne change pas parce que la blockchain est gravée dans la pierre pour toujours et qu'elle ne cesse de croître. Le travail des personnes essayant d'identifier et de dévoiler tout le monde est simplement un jeu d'attente. Donc, vous avez cette blockchain. Chaque jour, vous recevez un petit morceau d'information. Oh, vous savez, Joe à Leipzig, vous savez, c'est inscrit sur l'exchange, n'est-ce pas? Donc maintenant, leurs informations d'identité sont associées à cela. En gros, ces métadonnées continuent de s'accumuler sur cette blockchain jusqu'à ce que vous ayez une situation qui est en réalité bien pire que dans le système fiat. Lorsque vous avez un compte bancaire en monnaie fiduciaire, vous ne vous attendez pas à ce que votre banque affiche votre relevé mensuel dehors pour que tout le monde le voit. Mais c'est exactement la situation avec le Bitcoin. Et ce ne sont pas seulement les gens de votre quartier qui peuvent le voir, c'est tout le monde. Tout le monde dans le monde peut voir qui a envoyé quoi à qui et quand. La conséquence malheureuse de cela est que les bitcoins ont une histoire derrière eux, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous que dans le bitcoin, chaque bitcoin existant est d'abord venu au monde en tant que récompense attribuée à un mineur. Une fois que le mineur obtient ce bitcoin et qu'il le dépense, il commence à circuler dans l'économie du bitcoin, n'est-ce pas? Mais parce que la blockchain est transparente. C'est totalement transparent. Et toute l'histoire de chaque bitcoin maintenant en existence peut être retracée jusqu'à cette personne, cette personne, cette personne, jusqu'à l'époque où il a été miné. C'est comme si vous aviez un billet de 10 euros et au dos de ce billet de 10 euros, vous voyez une belle liste montrant toutes les personnes avant vous qui l'ont possédé, n'est-ce pas? Quelles pourraient être les conséquences négatives de cela? Que diriez-vous des personnes innocentes qui se retrouvent faussement accusées parce qu'elles ont reçu de l'argent de quelqu'un qui, à leur insu, était impliqué dans quelque chose de pas très bon, n'est-ce pas? Cela se passe dans le Bitcoin. Il existe une réputation dans le Bitcoin qui se transfère, ainsi que la valeur. Et c'est ce qui est profondément troublant à propos de cela, et je l'appelle une monnaie de surveillance.
Dans une monnaie de surveillance, ce n'est pas seulement la valeur qui se transmet, c'est aussi la réputation. Ce qui signifie que si vous acceptez de l'argent de quelqu'un, vous acceptez aussi sa vie comme son histoire de vie. Cela vient aussi à vous. Ce n'est pas seulement de la valeur. En revanche, Monero est fongible. Fongible signifie simplement que chaque unité de monnaie est indistinguable des autres unités. Donc, si j'ai 10 Monero, que tu as 10 Monero, et que nous échangeons tous les deux les 10 Monero avec d'autres personnes, ils ressemblent toujours aux 10 Monero. Il n'y a pas d'historique. Cela fonctionne exactement comme un billet de banque. Cela fonctionne exactement comme vous penseriez que l'argent liquide devrait fonctionner. Et cela se fait en ajoutant trois technologies, en plus de ce que fait Bitcoin pour préserver la confidentialité. L'une d'elles est les signatures en anneaux. Dans les signatures en anneaux, l'expéditeur de fonds est aligné avec 10 autres expéditeurs de fonds. Et la seule chose que vous savez sur cette transaction, c'est qu'une des 11 personnes a envoyé de l'argent. C'est comme si chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous aviez maintenant 10 amis ou 10 personnes au hasard, 10 leurs, et tout ce que vous savez. Cryptographiquement, c'est que l'un des 11 d'entre vous a envoyé l'argent. Cela protège l'identité de l'expéditeur. Qu'en est-il de l'identité du destinataire? Eh bien, le compte Monero du destinataire n'apparaît pas. En clair, sur la blockchain de Monero, donc une adresse à usage unique est ce qui est inscrit sur la blockchain. Cela protège la vie privée du destinataire. Qu'en est-il du montant qui est envoyé? Car il existe des attaques qui peuvent être réalisées. En connaissant, en observant un peu votre modèle de dépenses, cela est couvert par la technologie RingCT qui a été initialement développée pour Bitcoin, mais qui a en réalité été d'abord mise en œuvre dans Monero. RingCT signifie transaction confidentielle et toutes ces choses combinées contribuent à la fongibilité de Monero. Ainsi, le résultat final est qu'avec Monero, les pièces sont indistinguables. Ils n'ont aucun souvenir de l'endroit où ils ont été, ce que l'on souhaite dans une monnaie. Car l'opposé, si vous avez une monnaie qui a une mémoire parfaite, comme c'est le cas avec Bitcoin, est que cela est utilisé pour faussement associer les activités de personnes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Parce que Monero est fongible, les utilisateurs profitent de la confidentialité. Donc, la blockchain de Monero est publique. Tout comme Bitcoin, il existe un registre partagé publiquement de qui a envoyé quoi à qui que tout le monde dans le monde peut consulter. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le logiciel Monero et vous pouvez avoir une copie contenant l'historique complet de qui a envoyé quoi à qui. La différence est que dans Monero, les détails de cette blockchain sont cryptés, n'est-ce pas ? Donc, si vous le regardez, vous voyez des données chiffrées sans signification. Vous ne pouvez pas faire ce que vous pouvez faire avec Bitcoin, soit taper l'adresse Bitcoin de quelqu'un et voir immédiatement combien d'argent il a. Je représente des clients fortunés, des investisseurs institutionnels, et pour eux, ce type de fonctionnalité est un facteur décisif comme personne avec de la richesse ne veut. Que quiconque dans le monde puisse taper dans son compte bancaire et voir instantanément combien d'argent il a, ou voir instantanément chaque fois qu'il transfère de l'argent ou en reçoit. Comme vous pouvez le faire dans la blockchain de Bitcoin, vous pouvez configurer un petit robot automatisé pour surveiller la blockchain pour vous et vous envoyer une alerte sur votre téléphone portable chaque fois qu'une transaction entre ou sort de n'importe quelle adresse Bitcoin que vous choisissez, n'est-ce pas ? Ce genre de surveillance décontractée, cette invitation à être intrusif envers votre voisin, fait intrinsèquement partie de Bitcoin. Et plus. Cela s'enfonce dans la société, plus c'est insidieux, plus cela représente une menace pour notre vie privée. Donc, une calomnie qui se produit est que, d'accord, vous avez cet argent qui n'a pas d'historique, on dirait que seuls les criminels vont vouloir l'utiliser, c'est une calomnie. J'en ai un peu marre de l'entendre.
Monero bénéficie aux personnes qui n'ont rien à cacher. Ainsi, le principal avantage est que, avec une monnaie qui n'a pas de mémoire, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter d'être faussement accusé de méfaits en raison d'un lien avec une personne qualifiée de mauvaise. En gros, lorsque vous acceptez une crypto-monnaie de surveillance, vous acceptez le risque que quelqu'un de malveillant vous envoie quelque chose. Par exemple, disons que vous avez une entreprise, vous vendez des autocollants ou des chemises, des t-shirts ou quelque chose de très innocent, n'est-ce pas? Et vous décidez que vous allez accepter Bitcoin pour votre entreprise, n'est-ce pas? À votre insu, vous recevez une commande de t-shirt d'un gangster ou, vous savez, d'un dealer de drogue ou quelqu'un comme ça. Comme tu n'avais aucune idée qu'ils étaient des trafiquants de drogue, ils t'envoient juste un peu de Bitcoin parce que tu es vendeur de t-shirts et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Vous devez obtenir de l'argent des gens, mais comme les personnes qui surveillent la blockchain et mettent des visages et des noms sur les adresses de la blockchain ne le savent pas, elles peuvent essayer de programmer cela, mais au final, c'est une évaluation probabiliste de savoir si cette mauvaise personne est vraiment liée à vous. Et donc, la seule façon pour quelqu'un de découvrir qu'il a été mordu par cela, c'est que, oh mince, Coinbase vient de m'envoyer un email et mon compte a été fermé. Ou même la banque Fiat, avec laquelle j'avais associé mon échange de crypto-monnaie, pense maintenant qu'il y a quelque chose de suspect à mon sujet. Maintenant, ma banque Fiat a gelé mes fonds pour une raison quelconque, et cela n'avait rien à voir avec ce que la personne en question a fait. C'est juste que l'argent lui-même a ce défaut fatal d'avoir totalement une histoire derrière lui. Ce n'est pas vraiment de l'argent. C'est comme des Beanie Babies. C'est comme des objets de collection. C'est comme des objets de collection avec leur propre numéro de série qui circule dans cette économie. Ce n'est pas de la vraie monnaie. D'accord, je veux partir avec une idée lauréate du prix Nobel. Je constate que peu de gens ont entendu parler de cet article. George Akerlof a remporté le prix Nobel d'économie pour son travail sur l'information asymétrique dans les marchés. Quelqu'un ici connaît bien cet article, d'accord? Très bien. Super. Je vais l'expliquer brièvement. Il y a deux types de voitures d'occasion, n'est-ce pas? Il y a des citrons, qui sont les mauvaises voitures d'occasion, n'est-ce pas? Vous les achetez et ensuite elles tombent en panne immédiatement. Ce sont des citrons. L'autre type de voiture d'occasion est une Peugeot. Ce sont les bonnes voitures, donc ces propriétaires de Peugeot, ils ont fait tout l'entretien, ils ont changé l'huile, ils ont fait tout le travail pour s'assurer qu'ils ont une belle voiture à vendre, n'est-ce pas? Les vendeurs savent s'ils vendent un citron ou une pêche, le vendeur le sait. Si vous vendez un citron, vous le savez. Et vous essayez juste de gagner de l'argent en vendant ce citron. Si vous avez une pêche, vous le savez parce que vous avez entretenu cette voiture. Cependant, l'acheteur de la voiture est ignorant, car les vendeurs de citron et les vendeurs de pêche s'assurent, tous deux, que la peinture de la voiture est particulièrement brillante. Ainsi, toutes les voitures se ressemblent pour l'acheteur. Ainsi, l'acheteur sait qu'il est vulnérable dans cette situation. L'acheteur sait qu'il pourrait se retrouver avec un citron, n'est-ce pas? Parce que l'acheteur est ignorant, mais pas totalement ignorant. Il est en réalité conscient de sa propre ignorance. À cause de cela, l'acheteur ajuste alors son prix d'offre pour qu'il soit légèrement inférieur à celui d'une pêche. Le prix proposé pour la voiture ne sera pas tout à fait au prix du marché. Ici, il sera légèrement inférieur, n'est-ce pas? Que se passe-t-il alors si vous vendez un citron et que vous voyez ce prix assez élevé proposé pour les voitures? Vous êtes content, n'est-ce pas? Parce que votre citron, qui vaut ce prix bas, peut se vendre à ce prix-là. Donc, les vendeurs de citrons sont contents. Il y a plus d'imbéciles là-dehors pour acheter leur citron, n'est-ce pas? Que dire des vendeurs de pêche? Les vendeurs de pêche sont ceux qui ont fait le travail pour avoir une bonne voiture à vendre et maintenant ils voient ce prix d'offre qui est inférieur au prix des pêches. Ils sont découragés et légèrement offensés, n'est-ce pas? Parce que tout le travail qu'ils ont fait, tout le bon travail qu'ils ont accompli pour garder cette voiture en bon état et ils ont suivi toutes les règles avec leur voiture, ce bon comportement n'est pas récompensé par un prix élevé de la part de l'acheteur, n'est-ce pas? Ainsi, les vendeurs de pêche se découragent et quittent le marché. Ce qui se passe, c'est que les vendeurs de pêche partent. Eh bien, maintenant les acheteurs réalisent que leur chance d'acheter un citron vient d'augmenter.
Ainsi, le prix qu'ils vont offrir diminue. Et donc, vous avez cette course vers le bas où le prix d'offre continue de descendre. Tous les bons vendeurs quittent le marché parce qu'ils ne sont pas justement rémunérés pour le travail qu'ils ont accompli. Quel rapport cela a-t-il avec la crypto-monnaie? Les crypto-monnaies de surveillance qui ont un enregistrement total et un historique complet de qui les a possédées sont les voitures d'occasion de la crypto-monnaie. Donc, chaque fois que vous achetez du Bitcoin à quelqu'un et que vous ne connaissez pas l'historique de ce Bitcoin, vous êtes l'acheteur de voitures d'occasion dans cette situation. Vous ne savez pas si en acceptant ce Bitcoin, tout ira bien pour vous. Ou vais-je être faussement accusé de je ne sais quoi? Qui sait quel crime possible aurait pu être commis par la personne qui possédait ce Bitcoin? Maintenant, vous ne savez pas si cela va vous arriver, donc, en tant que récepteur de Bitcoin, vous êtes dans la position de l'acheteur de voitures d'occasion, n'est-ce pas? Ce qui est identifié dans cet article comme un moyen d'éviter cette course vers le bas est un signal. Donc, sur le marché des voitures, par exemple, il y a probablement quelque chose de similaire en Europe où vous pouvez entrer le numéro de série, le numéro 20 d'une voiture, et ensuite, vous obtenez un rapport sur tout. Vous pouvez voir si elle a été impliquée dans un accident. Cela n'existe pas en Europe. D'accord. Eh bien, une idée d'entreprise pour quelqu'un. Cela existe aux États-Unis. Ça s'appelle Carfax. Vous tapez le numéro de série d'une voiture et toute son histoire passée apparaît. Cette information peut égaliser les chances entre les acheteurs et les vendeurs de voitures, n'est-ce pas? Cela se produit également sur le marché du travail. Donc, l'éducation est une situation similaire. Si vous êtes un patron et que vous embauchez un travailleur, vous avez 100 travailleurs qui postulent pour des emplois. Ils se ressemblent tous pour vous parce qu'après un certain temps, tout le monde commence à se ressembler, comme si tous les CV se ressemblaient, n'est-ce pas? Alors, comment les vendeurs de leur travail vont-ils se distinguer? Ils vont avoir un signal. Donc, l'éducation est un signal, tout comme l'information sur le marché des voitures d'occasion, n'est-ce pas? Donc, en gros, les vendeurs de travail prennent sur eux d'obtenir des diplômes pour signaler à l'acheteur de travail que leur travail vaudra plus, n'est-ce pas? Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les vendeurs d'éducation finissent par comprendre cela et commencent alors à vendre de l'éducation, car ils savent que les personnes qui viennent pour l'éducation vont simplement obtenir un signal d'emploi. Ainsi, le véritable objectif de l'éducation se perd. Donc, cela se produit également dans les crypto-monnaies non fongibles. En ce moment, toute personne qui s'inscrit pour un compte sur un échange centralisé doit faire toutes sortes de choses dégradantes. Vous devez tenir une photo de votre pièce d'identité. Vous devez faire une petite note manuscrite qui dit ceci et mon nom. Vous devez essentiellement soumettre toutes ces informations juste pour être jugé suffisamment digne de participer à cette économie de crypto-monnaie. Cela constitue donc aussi un signal dans ce sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, dans le domaine des crypto-monnaies, les échanges supportent le fardeau de la diligence raisonnable sur leurs clients, n'est-ce pas? Donc, c'est une dépense pour les échanges de vérifier toutes ces personnes. Il se pourrait qu'à l'avenir, tout comme dans le marché de l'éducation et dans le marché des voitures, ce soit le vendeur qui devra de plus en plus passer par des obstacles pour prouver sa valeur dans tout ce système. D'accord. Donc, pour prendre du recul, j'ai abordé la rareté dans Bitcoin et Monero et j'ai examiné la fongibilité et la confidentialité dans Bitcoin et Monero. Et si nous prenons du recul, je peux identifier ce que je pense être une raison pour laquelle la crypto-monnaie ne va pas disparaître, pourquoi elle est là pour rester. Maintenant que nous avons Internet, nous avons la télécommunication mobile, tout le monde ici a, au moins, un appareil qui est extrêmement bon pour copier des paquets, n'est-ce pas? C'est ce que sont les téléphones portables. Ce ne sont que des copieurs de paquets. Lorsque vous récupérez vos emails, vous copiez des paquets du serveur de messagerie vers votre téléphone. Pour vérifier, n'est-ce pas? Nous sommes devenus extraordinairement efficaces pour copier des 1 et des 0 à l'échelle mondiale. Le coût marginal de la transmission de ces bits est nul. Alors, qu'est-ce qui est rare dans ce monde? Qu'est-ce qui est rare dans un monde où chaque humain sur Terre a essentiellement la capacité de copier des 1 et des 0 n'importe où dans le monde gratuitement? Eh bien, cela va être la rareté numérique et la confidentialité numérique. La rareté numérique,
dans le sens où il y a une séquence de 1 et de 0 que vous êtes le seul à connaître. Ce qui est la crypto-monnaie, c'est la clé privée. Et la vie privée, dans laquelle vous avez une séquence de 1 et de 0, que vous êtes le seul à connaître et que vous n'avez pas partagé avec tout le monde, comme vous avez partagé le contenu de votre déjeuner sur Facebook avec le monde entier et d'autres détails de votre vie qui sont essentiellement copiés partout. Ce sont les deux choses qui vont être rares à l'avenir, la rareté numérique et la vie privée numérique. Les crypto-monnaies offrent les deux, et des crypto-monnaies comme Monero offrent particulièrement les deux, car elles offrent également de la confidentialité. Ainsi, les valeurs de l'argent que nous utilisons chaque jour sont les valeurs fixées par le gouvernement. Les billets de banque et même les pièces ne valent en réalité pas les montants qu'ils représentent. Cependant, leur valeur nominale sont garanties non seulement par d'énormes réserves d'or et d'argent, mais aussi par la stabilité du gouvernement qui a fixé ces valeurs. Tant que les gens restent confiants que notre gouvernement est fort et sécurisé, ils continueront à accepter et à dépenser librement son argent sans remettre en question sa valeur. Donc, dans le passé, lorsque nous avions de l'argent fiduciaire, votre nationalité vous indiquait essentiellement à quelle communauté vous apparteniez pour des raisons monétaires. Si vous êtes né dans la zone euro, eh bien, vous utilisez des euros. Comme je suis né américain, donc j'utilise le dollar américain, comme on te dit un peu ça à la naissance, c'est un accident de l'endroit où tu es né. Maintenant, avec les crypto-monnaies, parce que le système de comptabilité est un réseau décentralisé d'ordinateurs qui peut être mondial, cette idée d'association est désormais fluide. C'est plus ouvert. C'est vraiment comme la réforme de l'Église, comme un autre Allemand célèbre, Martin Luther, comme qui a libéré la théologie du type de contrôle centralisé de l'Église catholique et a en quelque sorte libéré cette capacité pour les gens de choisir de vénérer de la manière qu'ils souhaitaient. Une chose similaire est désormais possible grâce au consensus Nakamoto, qui a maintenant 11 ans et un mois. Maintenant, il est possible pour chacun d'entre nous de choisir un groupe, de choisir sa propre église, de choisir son propre. Ce n'est pas ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez choisir votre propre groupe de personnes qui s'accordent sur certaines caractéristiques que vous souhaitez que votre argent ait, et vous êtes libre de vous associer à chacun de ces groupes. Donc, Bitcoin est l'un de ces groupes. C'est un groupe qui, apparemment, n'est pas vraiment dérangé par le fait que la monnaie est cette connaissance parfaite de l'histoire de chaque pièce qui existe. Et c'est une grande association de personnes, toutes ayant la conviction partagée que le jeton qu'elles suivent sur leur blockchain est de l'argent, n'est-ce pas? Il y a donc une sorte de formation communautaire similaire qui se produit avec les crypto-monnaies. J'aimerais donc partager certaines de mes observations sur la communauté Monero. Au fait, je suis volontaire pour être ici. J'ai payé de ma poche pour venir ici, depuis Boston, afin de partager ce que je pense être. Ma compréhension de l'état actuel des crypto-monnaies avec vous. Monero fonctionne essentiellement comme une œuvre de charité. Il n'y a pas d'entreprise derrière. Il n'y a pas de préminage, il n'y a pas de moyens frauduleux pour que les gens s'enrichissent. Tout le Monero existant a été donné dans le passé à un mineur qui effectuait le travail de comptabilité pour aider à soutenir le réseau, tout comme dans Bitcoin. Ainsi, à la fois Bitcoin et Monero ont l'aspect positif qu'il n'y a pas d'entreprise centrale qui dirige les choses pour réaliser un profit. Non, c'est totalement open source, un minage de base. Ce sont juste des gens ordinaires qui choisissent d'exécuter un logiciel de réseau pair à pair sur leur ordinateur et de rejoindre cette communauté qui partage une éthique commune sur ce que l'argent devrait être. Je trouve que la communauté Monero est idéaliste, scientifique et pourtant très accueillante. C'est très détendu. Il y a beaucoup de geeks alpha dans d'autres crypto-monnaies où les gens sont vraiment présents sur Twitter et veulent que tout le monde sache qu'ils sont les geeks les plus alpha.
Ce genre de choses est agréablement absent dans Monero. C'est très détendu. C'est une des choses que j'aime dans toute cette ambiance ici à C3, c'est que c'est très détendu. Il y a juste beaucoup de gens qui se prélassent. Et ce genre d'atmosphère partagée et détendue est quelque chose que j'ai personnellement observé lors des rencontres Monero auxquelles j'ai assisté. Au Monero Research Lab, nous avons des doctorants à plein temps qui ne font que de la recherche cryptographique. Il existe une sorte de pipeline de recherche dans lequel la science pure est réalisée au Monero Research Lab. Puis, les mises en œuvre de l'idée prometteuse sont testées. Et enfin, il y a un processus d'audit où nous faisons appel à des auditeurs externes pour examiner les mises en œuvre du code. Une fois que tout cela est, vous savez, propre, nous passons à la publication. Il y a donc essentiellement un pipeline de technologie de la science à l'ingénierie qui est déployé dans la publication réelle du logiciel de base de Monero. La base de données LMDB est un autre exemple intéressant de l'avancement de Monero. Dans les premiers jours de Monero, l'ensemble de la blockchain était stocké dans la RAM, si vous pouvez le croire. Cela impose donc une limite stricte à la taille de votre blockchain si elle doit tenir dans la RAM. La base de données LMDB, qui est l'œuvre de Howard Hsu, l'un des contributeurs très fréquents et une sorte de gourou de Linux open source, a été ajoutée à Monero. Monero est en fait le troisième en termes d'efforts des développeurs. Si vous classez les crypto-monnaies non pas par capitalisation boursière, mais par l'effort réel des développeurs, cela donne Bitcoin, Ethereum, puis Monero. Il s'avère que, eh bien, à mon avis, l'application phare du consensus Nakamoto est l'argent, car vous avez un registre de rareté qui est partagé. Et quelle chose est plus naturelle pour l'idée partagée de rareté que l'argent. Mais il s'avère que l'argent n'est pas trivial à bien comprendre. Il faut y réfléchir comme ces choses. L'argent, doit-il avoir une histoire complète derrière lui ou doit-il être fongible? Comme ce type d'idée de base, cette décision de conception d'ingénierie fondamentale doit être prise tôt, car la technologie nécessaire pour intégrer la fongibilité dans Monero est très complexe. Monero existe depuis 6 ans maintenant et a réalisé de grandes améliorations à cet égard. Et la façon dont le contrat social est « je » ne peut tout simplement pas voir cela se produire. Avec Bitcoin, ce sont des groupes de travail bénévoles pour la sensibilisation communautaire. Et comme je l'ai dit auparavant, tout le financement pour soutenir tout cela provient entièrement, à 100%, de la collecte de fonds et de la demande de dons de la part des gens par bonté de cœur. Et les membres de la communauté Monero font cela. Ils se présentent réellement et remplissent ces fonctions. Mais si vous regardez le budget annuel, si Monero était une entreprise, ce qu'il n'est pas, mais si Monero était une entreprise et que vous examiniez son budget de fonctionnement, vous seriez stupéfait de voir à quel point il est minuscule, à quel point il est petit. Et c'est parce que vous avez des personnes idéalistes et passionnées qui travaillent sur ce projet dans un véritable esprit open source, souvent pendant leur temps libre. D'accord? Donc, pour résumer, Monero est ce que les nouveaux venus dans Bitcoin pensent avoir acheté. Donc, je vais changer un peu de casquette, comme je l'ai mentionné. L'un de mes emplois avant de me consacrer à plein temps à la crypto-monnaie était responsable de la recherche dans un fonds spéculatif. Et donc, la question de considérer la crypto-monnaie comme un investissement se pose. Et bien sûr, en raison de ces gains spectaculaires dans le prix de Bitcoin, il est beaucoup discuté. Une chose positive concernant la culture de Monero est qu'elle est généralement gauche, parlera des prix et des rendements et du prix qui va vers la lune. J'espère que, eh bien, j'ai un certain bagage en finance académique. Il y a un article auquel j'ai coécrit sur l'effet de la liquidité sur les prix des actifs qui a remporté un prix de l'article de l'année en finance appliquée. Donc, et cela couplé au prix Nobel que je viens d'expliquer, j'espère pouvoir donner un vernis académique suffisamment respectable à la discussion sur la finance et l'économie pour être pardonné par la communauté Monero.
Mais le fait est que ce projet va attirer des investisseurs, il va attirer des hodlers. C'est une couverture socio-économique. Il existe de nombreux investissements. Il y a beaucoup de FNB, fonds négociés en bourse, disponibles. Si vous croyez que les entreprises soient écologiquement durables et que leur conseil d'administration devrait avoir des politiques officielles qui imposent la durabilité, il existe des FNB qui n'investiront que dans ces entreprises, n'est-ce pas? Il est possible d'être essentiellement un investisseur idéologique. Donc, si vous tenez vraiment à la durabilité, alors il y a un investissement pour vous, n'est-ce pas? Par exemple, comme dans la finance islamique, ils ne sont pas d'accord avec l'idée que des intérêts soient payés sur les prêts. Vous avez donc un autre sous-ensemble de la finance islamique, des investissements qui n'impliquent pas de paiement d'intérêts sur les prêts. Monero, si vous le regardez sous un angle similaire, est, en gros, une couverture idéale pour les personnes qui ont deux caractéristiques. L'une des préoccupations est la mauvaise gestion et la corruption de la part des banques centrales qui gèrent la monnaie fiduciaire. Et deuxièmement, ils sont gravement perturbés par l'état du capitalisme de surveillance dans lequel tout ce qui nous concerne est enregistré en permanence et restera pour toujours. Et nous avons peu ou pas de contrôle sur cela. C'est fait au nom de la sécurité. Mais, malheureusement, si vous poussez cette ligne trop loin, vous cessez d'être une société ouverte et libre. Il y a des raisons pour lesquelles nous, en Occident, avons imposé des limites au pouvoir du gouvernement. Et cela est dû à une prise de conscience de ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de limite au pouvoir du gouvernement. Donc, un projet comme Monero est une couverture. C'est essentiellement une façon de mettre son argent là où est sa bouche. Pour les personnes qui ont des sentiments forts sur ces deux points, cela va donc simplement attirer des investisseurs. La loi de Gresham est un concept économique selon lequel la meilleure forme de monnaie est thésaurisée. Les gens gardent donc le meilleur type de monnaie. Et la forme inférieure de monnaie, ils vont l'utiliser pour dépenser, mais cela, ils vont les garder pour eux. C'est la loi de Gresham. Donc, avec Monero, beaucoup de Monero étaient dans Bitcoin, mais maintenant, quand ils traitent Bitcoin, ils se retrouvent préoccupés par la traçabilité. Il est donc rafraîchissant de venir à Monero où la monnaie est fongible, sans souci. Et parce qu'il est fongible, il devient une forme de monnaie supérieure qui est thésaurisée par la loi de Gresham. C'est une autre tendance qui va se produire où les gens voudront garder le Monero et dépenser les autres monnaies, aussi les impôts sur les plus-values. Du moins en Amérique, et je crois qu'en Allemagne aussi, si vous détenez un actif pendant plus d'un an en Allemagne, vous n'avez pas à payer de gains dessus. C'est ce que j'ai lu, est-ce vrai, en Allemagne? Donc, en gros, la loi fiscale encourage à se pencher sur ces projets de crypto-monnaies qui sont solides et ont une véritable raison d'exister. Cela va également attirer des fonds d'investissement vers Monero. La question est de savoir si ces nouveaux investisseurs peuvent s'intégrer dans la communauté. Ainsi, une partie de mon travail en tant que consultant consiste à essayer de faire le lien entre ces mondes. J'essaie de prendre ces nouveaux investisseurs dont l'inclination pourrait être de vouloir parler au gestionnaire de Monero et d'avoir une discussion avec lui sur le calendrier de publication. Et ils veulent telle et telle fonctionnalité intégrée dans la prochaine version. Vous savez, comme fondamentalement toute cette mentalité de « je possède », vous savez, quelques jetons, donc je suis votre client et vous devez faire ce que je dis, ce qui, bien sûr, tombe complètement à plat dans tout projet open source. Ce n'est pas comme ça que les changements se produisent dans Linux. Personne ne va voir Linus et ne lui fait des ultimatums sur ce qu'il veut voir dans le prochain déploiement. Donc, en gros, une des choses que je fais est d'essayer de relier ces mondes de l'investissement traditionnel et celui du monde open source des crypto-monnaies, OG, qui nous entoure ici. Ainsi, je soutiens que les investisseurs communautaires sont une partie des investisseurs, des membres précieux de la communauté. Au lieu de se sentir en droit et de penser qu'ils sont des clients, ils adopteront l'attitude qu'ils aident à supporter le risque financier au nom du projet.
Ils feront des choses comme prendre la garde de leurs pièces eux-mêmes et ne pas simplement les laisser sur les plateformes d'échange, ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens laissent leurs cryptos sur les échanges, puis l'échange se fait pirater et ils perdent leur argent. Si l'argent est sur l'échange, sans clé privée, alors ce n'est pas votre crypto-monnaie, un IOU. Pour de la crypto-monnaie, ce n'est pas de la crypto-monnaie que vous possédez. Et il y a en quelque sorte une liste d'aspects que je pense être appropriés pour qu'un investisseur de type communautaire soit un membre solide de la communauté Monero. Une chose à faire est de s'assurer qu'il existe des structures juridiques appropriées autour de la propriété de crypto-monnaies. Ainsi, l'un des sous-ensembles du monde de la finance traditionnelle que j'ai aidé à relier à la crypto-monnaie est celui des fiducies. Dans un régime de droit statutaire comme l'Allemagne, tout le concept de fiducie peut sembler un peu étranger car il provient du droit commun anglais, mais l'idée est qu'une fiducie est une entité juridique. C'est une question légale, c'est un peu comme une entreprise, mais c'est une catégorie différente de structure légale. Un trust est, en quelque sorte, un récipient de détention pour des fonds qu'un donateur souhaite donner à des bénéficiaires, mais pas immédiatement. Donc, en gros, il y a trois personnes impliquées. Il y a un constituant qui possède des richesses et souhaite les transférer aux bénéficiaires. Ainsi, le constituant travaillera à établir les règles de la fiducie, puis transférera des biens dans la fiducie. Dans le document qui définit la fiducie, vous avez une liste de bénéficiaires qui pourraient finalement bénéficier de la propriété. Et ensuite, vous avez un tiers, qui est le fiduciaire. Le fiduciaire est le propriétaire légal des actifs qui sont confiés en fiducie. Mais le propriétaire légal est soumis à des conditions. Le propriétaire légal ne peut pas faire ce qu'il veut avec la propriété. Ils doivent suivre les instructions qui se trouvent dans le document de fiducie. En effet, c'est ce que les personnes dans le domaine des crypto-monnaies considéreraient comme un contrat intelligent. C'est en quelque sorte le contrat légal original à l'ancienne. Et si vous faites attention à quelle juridiction vous placez les différents acteurs de la fiducie, il y a des avantages qui peuvent en découler, qui dépendent fortement de la juridiction. Et il m'est tout simplement impossible de l'expliquer clairement en raison de la complexité de cela, mais les avantages possibles incluent la réduction légale des impôts, protection contre les poursuites, en d'autres termes. Donc, si l'argent est dans une fiducie, ce n'est plus l'argent du donateur. Ce n'est plus l'argent du propriétaire de la richesse, c'est l'argent de la fiducie. Donc, si quelqu'un poursuit le propriétaire de la richesse est perdue, ce n'est plus le leur. Cela appartient à la fiducie. Et puis il y a des lois sur les fiducies qui protègent cet argent contre les poursuites judiciaires également. Donc, la plupart des gens pensent, eh bien, vous savez, qui je suis à faible risque, comme je suis un gars sympa, je ne fais de mal à personne. Personne ne va me poursuivre en justice. Mais une exception flagrante à cela est le divorce. Ainsi, les gens se font régulièrement voler par des personnes qu'ils ont épousées récemment, et il s'avère que les fiducies irrévocables établies avant le mariage, il faut le faire avant, sinon cela ne comptera pas. Mais c'est l'une des seules choses qui peuvent survivre à un défi. D'accord? Et également, une confidentialité légale renforcée. Donc, selon la juridiction dans laquelle vous placez la fiducie, vous pourriez bénéficier d'une confidentialité renforcée protégeant ses actifs. En fait, pertinent pour les personnes qui ne sont pas américaines, vous n'êtes peut-être pas au courant de cela, mais il y a une sorte de dicton dans la planification successorale et la gestion de patrimoine qui dit que l'Amérique est la nouvelle Suisse. Et cela est dû au fait que l'Amérique a des lois qui sont asymétriques. L'Amérique a une loi appelée FATCA qui a été mise en place par Obama et qui exige que les institutions financières du monde entier envoient des données sur les Américains à l'IRS. C'est pourquoi il est presque impossible pour un Américain d'obtenir un compte bancaire en Allemagne, car le compte bancaire allemand aura un tas d'exigences de déclaration lourdes à respecter auprès de l'IRS pour accepter ce client américain, c'est ça. Donc, c'est pourquoi les Américains ont beaucoup de difficultés lorsqu'ils vont à l'étranger pour travailler. En réaction à cela, les autres pays du monde ont élaboré ce qu'on appelle le CRS, qui est la norme de déclaration commune. Donc, l'idée est la même. Par exemple,
Un gouvernement européen veut s'assurer que ses citoyens n'essaient pas de cacher de l'argent en Australie. Ils ont donc signé cet accord pour que tous ces pays partagent des informations financières entre eux afin de s'assurer que personne ne triche sur ses impôts, n'est-ce pas? Il y a donc essentiellement un certain nombre de pays qui ont adhéré à ce CRS, mais l'Amérique n'en fait pas partie. Ainsi se trouve l'asymétrie pour les citoyens américains qui mènent des affaires à l'étranger comme des entreprises légitimes. Toutes ces informations sont renvoyées à l'IRS, mais pour une personne non américaine qui établit des affaires financières aux États-Unis, il n'y a aucune obligation pour les États-Unis pour renvoyer l'information dans le pays d'origine. Donc c'est le dicton E. L'Amérique et la Nouvelle-Suisse. Les deux petits plongeurs vibrent à la surface de l'eau. Chaque plongeur produit ses propres règles et les deux ensembles de bouches d'aération au-dessus de cela. Maintenant, les plongeurs sont désynchronisés. Ils vibrent en antiphasé et produisent un motif différent. En phase, ils produisent un motif comme celui-ci. Hors de rythme, le motif est comme ceci. D'accord, c'est un peu compliqué, mais cela montre le degré auquel les fluctuations mensuelles de Monero par rapport aux fluctuations mensuelles de Bitcoin, par rapport aux fluctuations mensuelles du marché boursier américain, du marché obligataire américain et de l'or, n'est-ce pas? Donc, chacun, par exemple, ce carré ici, montre l'intersection de Monero et Bitcoin, n'est-ce pas? Sur cet axe, vous voyez le rendement de Monero. Sur cet axe, vous voyez le rendement de Bitcoin. Vous pouvez donc voir que, dans les mois où Monero se porte bien, Bitcoin a également tendance à bien se porter. Vous avez donc ce genre de schéma, cette corrélation ici, que vous pouvez observer. Vous pouvez également voir qu'il y a des mois vraiment extrêmes pour Monero dans le positif. Ce mois particulier, Monero, a en gros quadruplé en un mois. Eh bien, faire partie de la possession de crypto, c'est que vous êtes sur cette véritable montagne russe. Et vous devez être capable de gérer cela. Ce que cela montre, c'est qu'il existe une corrélation entre les rendements de Monero et Bitcoin. C'est une corrélation de 0,4. Une corrélation de 1-0-Z est parfaitement corrélée. Ils montent et descendent ensemble. Le négatif 1 est l'opposé. Si l'un monte, l'autre descend. Donc, dans la théorie moderne du portefeuille, et cela est également vrai pour votre propre portefeuille personnel, c'est une idée à considérer si vous avez deux actifs que vous vous attendez à bien performer à l'avenir et qui sont non corrélés. En d'autres termes, lorsqu'un actif augmente, l'autre reste stable ou peut-être que l'autre diminue. En d'autres termes, les hauts et les bas quotidiens de ces deux actifs différents tendent à s'annuler mutuellement. Si vous avez cette situation, alors si vous constituez un portefeuille avec ces deux actifs, votre volatilité combinée va s'améliorer, elle va être réduite parce que les composants que vous ajoutez sont anticorrélés, n'est-ce pas? C'est donc un enjeu très important pour les investisseurs de Wall Street, car il s'avère que la structure de corrélation a tendance à être plus fiable et durable que, les prévisions de surperformance. Ainsi, les structures de corrélation ont tendance à persister. Donc, Wall Street recherche toujours des sources d'alpha non corrélées. Par exemple, si l'on examine la corrélation de Monero avec des actifs traditionnels comme le marché boursier américain, nous avons 0,01. Donc, c'est une idée à considérer. Rassembler des actifs qui évoluent de manière différente peut être une force positive pour votre portefeuille global. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, cela ne parle que de la structure de corrélation. C'est comme les hauts et les bas. Cela ne parle pas de savoir si le prix va augmenter à l'avenir. C'est une question différente. Donc, laissez-moi montrer cela et ensuite je finirai. Je suis désolé, je dépasse le temps. Mais je suppose qu'il n'y a personne après moi, donc je vais essayer de faire vite. Je pense donc que ce que je montre ici est à peu près le seul graphique de prix d'actifs dont vous avez besoin. Et c'est une vision à très long terme. Cela montre depuis le début de la crypto-monnaie en 2009 jusqu'en 2020. Cela représente 11 ans d'histoire. Et vous ne voyez presque jamais cela chez les blogueurs de crypto-monnaie, les gens sur YouTube qui parlent de crypto-monnaie, se concentrent toujours sur ce qui s'est passé hier.
C'est totalement une distraction pour quiconque a une vision à long terme. Je suggérerais qu'en regardant la crypto-monnaie comme actif, il est important de prendre du recul sur l'échelle horizontale et de prendre du recul sur l'échelle verticale. Donc, ce que je montre ici, chacune de ces divisions est un facteur de 10, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons un centime, un dollar et 10 000 dollars. Donc, c'est un investissement initial d'un euro devenant 10 millions d'euros. C'est l'échelle, n'est-ce pas? Et sur ce genre d'échelle, toutes ces fluctuations qui semblent importantes disparaissent. Par exemple, regardons le S&P 500, le marché boursier américain. Si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans le marché boursier, vous savez que décembre 2019 a été un très bon mois, n'est-ce pas? Nous parlons d'une augmentation de 15%, ce qui est vraiment important pour le marché boursier. Mais si vous regardez cela à cette échelle, c'est comme un pixel, d'accord? Donc, je pense que cela souligne la décision que chacun doit prendre en considérant la crypto-monnaie comme un investissement possible. C'est ce genre de bébé, c'est encore un bébé, c'est incroyable parce que ça a augmenté de plusieurs ordres de grandeur et pourtant, comparé à d'autres actifs, c'est encore un bébé. Ce prochain graphique montre cela. Ce que j'ai fait ici, c'est qu'il est difficile de comprendre. Si quelqu'un vous dit que le prix du Bitcoin est de 7 000 $, il est difficile de savoir si c'est élevé ou bas, n'est-ce pas? Qui sait? C'est vraiment difficile à savoir. Parce que c'est juste un Bitcoin. Et il est difficile de mettre cela en perspective. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris la valeur de tous, les Bitcoins existants, n'est-ce pas? Donc, en partant du début du Bitcoin, au fil du temps, de plus en plus de Bitcoins ont été récompensés aux mineurs. Il y a donc eu plus de Bitcoins en circulation et le prix a fluctué, n'est-ce pas? Donc, je multiplie le nombre de Bitcoins en circulation par le prix actuel et cela vous donne la capitalisation boursière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé cela par la valeur de tout l'or en surface dans le monde, n'est-ce pas? Donc, tout l'or qui a déjà été extrait du sol et qui se trouve dans des coffres à travers le monde, principalement détenu par des gouvernements centraux, mais une bonne partie est également dans des bijoux, et ainsi de suite. Et il existe des estimations à ce sujet. Donc, en gros, il existe des estimations sur la quantité d'or qu'il y a dans le monde à un moment donné. J'ai donc divisé la valeur de tous les bitcoins du monde par la valeur de tout l'or du monde, et j'ai fait cela pendant 11 ans. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'actuellement, la valeur de tous les bitcoins dans le monde est d'environ 1% de celle de tout l'or. En d'autres termes, tout l'or vaut 100 fois ce que vaut tout le bitcoin. Et si vous faites cela pour Monero, cette analogie est sans doute encore plus pertinente pour Monero, car lorsque vous retournez un bloc, une barre d'or, vous ne voyez pas une liste de toutes les personnes qui ont possédé cette barre d'or. Vous ne voyez que l'or, donc Monero, agit plus comme de l'or réel que ne le fait le Bitcoin. Par conséquent, il est plus logique de faire un ratio de tout le Monero du monde. Combien cela vaut-il? Divisez cela par la valeur totale de l'or dans le monde. Si vous faites cela, nous regardons un centième de pourcent. C'est ce que je veux dire. Quand je dis que cette classe d'actifs est encore un bébé, c'est encore tôt, les choses pourraient bien se passer pour elle. Les choses pourraient très mal se passer pour elle. Il pourrait y avoir un bug dont personne ne sait rien. Il pourrait y avoir une action gouvernementale, ce dont beaucoup de gens, je pense, s'inquiètent de manière excessive parce qu'ils, je pense, nous les geeks, avons tendance à considérer les gouvernements comme des modérateurs de Reddit avec juste un pouvoir de bande. Et ce n'est pas vraiment comme ça que fonctionnent les gouvernements. C'est un peu plus délibératif. Et si un bannissement injuste se produit, il y a des instances comme la Cour suprême qui pourraient être appelées à décider si, par exemple, les Américains ont un droit fondamental de transiger de manière privée. Cela pourrait être une affaire judiciaire qui se présentera à l'avenir, proposée par des personnes qui se soucient vraiment de la vie privée en tant que droit humain fondamental. Mais je vais m'arrêter là et merci de votre attention.